Imaginons que notre triangle est pour longueur 6, 8, 10. Trouve la plus grande, pas compliqué, c'est 10. Donc tu calcules 10 au carré d'un côté et ça fait 100. Puis 6 au carré et 8 au carré et tu les additionnes ensemble. 36 plus 64, ça fait 100. Qu'est-ce qu'on remarque? Les deux résultats sont égaux. Conclure sera ta dernière étape. L'égalité de Pythagore est vérifiée, tu le marques. Ton triangle est rectangle, tu l'as prouvé, tu le marques. Deuxième exemple, un triangle qui a pour longueur 3, 4, 6. La longueur la plus grande c'est 6, son carré c'est 36. 3 carré plus 4 carré ça fait 25. T'en conclues quoi? L'égalité n'est pas vérifiée, ton triangle n'a pas d'angle droit. Première étape, on prouvera quel est le côté le plus grand pour calculer le carré de sa longueur. Deuxième étape, on prendra les deux côtés restants pour additionner les carrés de leur longueur. On trouvera donc deux résultats que l'on comparera. Y a-t-il égalité ou pas? De cas s'offre à toi, l'égalité est vérifiée. Ton triangle est rectangle, si elle ne l'est pas, pas d'angle droit dans ton triangle.